Natif d'un pays méditerranéen aux origines diverses depuis l'avènement gréco-romain, Odile Zobiri a voulu décrire ses racines telles qu'elle les a vécues et principalement son enfance issue de la génération de l'entre-deux-guerres. Immergée dans l'histoire de France qui lui colle à la peau depuis sa naissance, elle n'a pas résisté à la tentation de raconter à nu et sans embâge, pêle-mêle dans un cocktail de souvenirs, quelques anecdotes qui ont jalonné le cours de son existence avant, pendant et après la guerre 39-45. Du village de sa grande Kabylie natale à l'envol parisien à la fin des années 70, l'auteur remonte le fil du temps et tisse un puzzle de destin où s'illustre l'histoire des différentes époques communes de l'Algérie et de la France. Signant au-delà des bancs de l'école à l'univers de la haute couture, en passant par la guerre, un beau portrait de femme en quête d'indépendance. Elle a tenu à raconter les souvenirs bien gardés en mémoire et a surpris ses enfants qu'ils ne l'ont lu qu'à la fin. C'est avec plaisir qu'ils ont découvert les souvenirs de leur mère.